lolo. Kayote na bomo na ye Bena mikoti sana libulu ya basusi Oyo ezanga suka ye Bena simba biloko basimba kate Bandinga na ngai ya bomo na Na bandeko ya libota na ngai Na baboto yo babota ngai ye Bena lekisa basusu na kisi Kona bomo ngoe Yesu na ngai ye Vincent,
servira toute ma vie. Sois fidèle. Toute ma vie. Le mariage est une institution. Vivre à toi, mon chéri. À jamais je serai. Yeah.
Par la grâce de Dieu, bien sûr. Merci et Simbi Family. Merci, merci, merci beaucoup. I've never seen no one like you. The beginning and the end. You're the only one for me. Est-ce qu'on peut les encourager alors qu'elles ont très très bien dansé? Est-ce qu'on peut encore les encourager? 25 ans de mariage, ce n'est pas fait. Les mamans sont là pour encourager ces couples. Est-ce que nos mamans sont là pour encourager ces couples? Ils sont toujours beaux. Malgré 25 ans, ils restent toujours jeunes. Est-ce qu'il y a des mamans de Moulolo ici? Est-ce qu'il y a les mamans de Moulolo ici pour encourager ces merveilleux couples? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer très fort à les encourageants? Ils sont tellement très beaux ce soir. Est-ce qu'on peut faire un peu de bruit? Est-ce qu'il n'y a pas de maman ici dans la salle? Non. Est-ce qu'on peut encourager ces couples très merveilleux en acclamant très fort et en faisant des cris de joie? En tout cas, nous sommes très contents ce soir. Sans pour autant tarder, je vais rapidement inviter l'homme de Dieu très bien.
Et c'est celui qui va faire l'ouverture de ces assises, de cette soirée, avec une prière. C'est le pasteur Placide Moua. Et on va acclamer rapidement lorsqu'il va faire cette prière d'ouverture rapidement. Nous sommes venus aujourd'hui pour célébrer le 25e anniversaire de leur mariage de la poterie Fino et de notre maman Claudia. Nous sommes très contents d'eux. Croyons que cette soirée sera une soirée bénie parce que le Saint-Esprit sera ensemble avec nous. Je vous demande, les amis, de leur donner toute la joie afin que cette soirée puisse être très, très, très magnifique pour la gloire de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ces moments parce que la Bible dit « Tout est sanctifié par la parole et par la prière. » Laisse que le temps que nous allons passer en ces lieux soit des moments forts de réjouissance, de reconnaissance et de célébration. Que ton esprit nous dirige du début jusqu'à la fin et que tout soit seulement pour ta seule gloire. Reçois honneur pour tout. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Merci une fois de plus. Nous pouvons tous nous asseoir. Nous pouvons regagner nos places. Nous allons rapidement continuer avec notre programme de ce soir. Un couple que nous voyons devant nous ici, un couple très beau, un couple qui donne beaucoup plus d'envie et de la motivation. C'est un couple qui est ici, ça fait tellement longtemps. Je pense que nous allons passer par leur présentation par après. Mais j'aimerais ici rapidement procéder avec le programme de la soirée. J'aimerais dire à ceux qui sont là ce soir que le mariage, c'est une porte d'entrée en enfer, mais aussi une porte d'entrée au ciel. Avec le mariage, tu peux entrer directement en enfer. Mais avec le mariage, tu peux aussi aller au ciel. J'aime dire que le mariage, c'est la ressemblance. En français, quand on dit quelqu'un a marié, c'est-à-dire moi là, je mariais, je mis le noir et le blanc, ça concorde. Marier signifie concorder. On prend deux éléments différents, on les rapproche de manière à concorder, de manière à les harmoniser, de manière à les confronter pour que ce soit bien visible. Et j'aime comment la Bible explique ça. La Bible dit, l'homme quittera, il s'attachera et ils deviendront. C'est-à-dire deux éléments différents qui doivent quitter, ils doivent se rapprocher et finalement se rassembler. C'est cette ressemblance qui fait que le mariage crée comme un team, comme une équipe où l'homme et la femme regardent la même direction, ils défendent les mêmes combats, ils sont attachés l'un à l'autre, peu importe les épreuves. Quand on peut rester pendant 25 ans, c'est-à-dire on s'est rassemblé finalement. Le mariage, c'est la ressemblance. La Bible dit aussi que le mariage, c'est le joint de Dieu. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. En d'autres termes, si ce n'est pas Dieu qui a joint, ce n'est pas le mariage. Et le joint de Dieu, c'est par l'amour. Dans le mariage, l'amour, il est sacrificiel. L'amour, il est thérapeutique. L'amour, il est évangélique. Parce que la façon que je me livre à l'autre, je sauve l'autre. La façon que je me livre à l'autre, je bénis l'autre. La façon que je me livre à l'autre, je protège l'autre. Troisième élément de ce fameux mariage, le mariage est aussi une bâtisse, une construction. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Mais le sensé va la renverser par ses propres mains. Il y a un problème d'une bâtisse, d'une construction. C'est-à-dire qu'on peut bâtir selon qu'on est sage, tout comme on peut renverser.
Beaucoup ont commencé, mais ils ont renversé. Mais ce couple, parce qu'il a appris à bâtir, il continue à bâtir. Dans Matthieu chapitre 7, ça continue quand la Bible dit « L'homme sage bâtit sa maison sur le roc, tandis que l'insensé bâtit sur le sable. » Ça signifie quoi? L'apôtre Paul dit « Il faut faire attention à la manière que vous bâtissez. » Et j'aime quand l'apôtre Paul dit « Moi, comme un sage architecte, quand je bâtis, bâtir comme un sage architecte. » C'est une question de sage, la manière dont vous bâtissez. Pourquoi? Parce que la maison ou le mariage qu'on bâtisse, ce qui est important, ce qui fait la qualité de mariage, ce n'est pas le design de mariage, mais la qualité du matériel qu'on a utilisé pour la construction. Pourquoi? Parce que la maison sera éprouvée par la tempête, sera éprouvée par les épreuves, par la situation. Quand tu fais un mariage design, le mariage d'impression, aujourd'hui on a un peu de problème parce que les gens veulent se marier pour impressionner les gens. C'est bien de faire design, mais quand le feu va prendre le mariage, ça va s'enflammer en peu de temps. Le mariage dure dépendant de la nature du matériel qui construit le mariage. Mais toi qui prends cette femme sans l'avoir dotée, de quelle autorité tu veux que la femme soit soumise à toi? Parce qu'il est encore sous l'autorité de ses parents. Et toi là, tu es un envahisseur tout simplement. Voilà pourquoi dans le foyer, sur le plan spirituel, il peut y avoir une certaine rébellion, une mésentente, parce que tu n'as pas reçu à avoir officiellement le transfert d'autorité. Deuxième élément de dot, le dot a aussi un transfert de responsabilité. Le père a nourri l'enfant, il est le repas de l'enfant, et désormais c'est l'homme qui prend en charge la femme. Marie, aimez vos femmes, aimer signifie nourrir, vêtir, prendre en charge. Troisième élément spirituel de dot, la dot que tu donnes là, est aussi un permis d'exploitation. Quand tu dotes, tu achètes un permis d'exploitation. C'est un site privé. Tu ne peux pas exploiter ce site-là sans permis d'exploitation. Mais quand tu entres à ce site-là, tu vas commencer à prendre des ressources. Avec quelle permission? Permis d'exploitation, ça te permet d'aller dans le sexe. Ça te permet d'avoir des enfants parce que tu as le permis d'exploitation. Vous savez, quand j'ai eu mes enfants, après le mariage, la femme avait 4 mois. J'ai vu ma belle-mère venir, elle me dit, papa, moi je vais prendre l'enfant parce qu'il va habiter chez moi. Maman, la femme est encore petite, non. Pour être libre. Belle-mère qui dit, papa, continue seulement. Parce que j'avais le permis d'exploitation. Si tu n'as pas de permis, n'y va pas. C'est une malédiction. Amen, amen. Mais avant de terminer l'aspect là des dot, j'aimerais ici, bien aimé, faire une parenthèse, et c'est très important. Le mariage coutumier, quand nous donne la dot, ça n'enlève pas la qualité d'enfant de Dieu. Il y a des choses que si nous ne parlons pas aujourd'hui, il n'y a personne qui va en parler, mais les hommes ne font que murmurer à côté. C'est quoi cette histoire-là où aujourd'hui le mariage coutumier est transformé à une situation où nous venons exposer la bassesse de nos coutumes? On peut avoir une sœur, on n'a jamais vu son corps, on va voir son corps là, le mariage coutumier. Il vient nous exposer son corps. Les frères peuvent s'habiller de n'importe comment. Nous restons chrétiens, nous sommes chrétiens. Je le dis en tant que sentinelle. Si tu n'as pas peur, je le dis. Pasteur, désormais, si tu veux faire marier un enfant de l'église, dis à cet enfant, tu n'es pas un chef coutumier. Tu n'es pas un gangakissi. Tu es un enfant de Dieu. Habille-toi correctement. Nous sommes enfants de Dieu. Dites à la sœur, tu n'es pas une danseuse traditionnelle. Bien-aimé, l'église doit veiller à ce temps. On n'est pas là pour s'amuser avec l'église, ou on se marie en tant que chrétien ou pas. C'est très important. Deux, le mariage civil. Le mariage civil,
C'est une étape où nous allons à l'étape pour que l'étape puisse attester ce que nous faisons. Et c'est un garde-fou. Parce que lorsque tu t'engages avec l'État, sous peine de la loi, tu as une conscience de la crainte de la loi. Cela renforce notre union. Cela renforce notre unité. Cela fait que j'ai peur pour que demain, si je cède, on peut revenir sur moi. Je peux payer des choses. Il y a des garde-fous qui nous aident à garder l'unité. Les membres de ta famille partiront. Il va rester que toi et ta femme. Tu seras malade, tout le monde va t'abandonner. Il ne restera que toi et ta femme. La femme, c'est la seule personne qui te faut. Ton mari, c'est la seule personne qui te faut. Attachez-vous. Restez longtemps comme ce couple. Et Dieu vous bénira. Amen. On va acclamer le Seigneur. J'aimerais appeler ici l'apôtre Ruffin et maman. Et les hommes de Dieu, venez avec moi, on va prier pour ça. Que l'œuvre que tu as commencée, notre Père, de sécurité, de protection, de faveur, de grâce, que cette œuvre continue. Nous voulons le voir, notre Père, veiller ensemble, rassasier de vieillesse, avec un bâton avançant ensemble et célébrant ton nom. Parce que jour après jour, tu entres la joie dans leur vie. Merci pour les avoir appelés au ministère. Et notre Père, tant qu'ils vivent, ils te serviront. Nous les bénissons. Alors que nous lève la voix vers toi, Seigneur, écoute la voix de ton serviteur et passe à ce couple, notre Dieu. Nous voulons penser que rien que les dépenses qu'ils ont faites à ce lieu soit, notre Père, une occasion pour lever vers toi les actions de grâce, une occasion de te prier afin que tu leur fasses du bien. Qu'ils soient bénis, que leurs enfants soient bénis, que leur famille soit bénie, notre Père, et qu'ils puissent vivre le désir de leur cœur. Père, amène-les à voir ce qu'ils n'ont jamais vu, à vivre ce qu'ils n'ont jamais vécu, à être ce qu'ils n'ont jamais été, que ta faveur ou ta grâce les soutienne. Au nom de Jésus. Père, je te bénis pour ton serviteur et ta servante. Ma prière que ce soir soit le renouvellement d'un parcours qui va plus loin. Renouvelle leur force et qu'ils ne se fatiguent pas. Qu'ils avancent, Seigneur, que ce jour soit un jour où on se présente devant toi pour que tu te rappelles de leurs bienfaits. Pour que, notre Père, tu effaces leurs faiblesses devant toi et qu'à leur faveur, tu renouvelles ton amour. Sois celui qui est avec jour après jour et qui accomplit les yeux de ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Ils vont se tenir là-bas pendant que le révérend Bin va remettre. Éternel Dieu des armées, miséricordieux, compétissant, Dieu plein de bonté et de grâce. Nous voici, Seigneur, dans cet endroit rempli de joie parce que tu as béni ce couple, Seigneur. Ils ont commencé avec le faible commencement. Ton œil était sur leur foyer, Seigneur. Pendant les temps difficiles, tu as été leur étendard. Tu as pensé à eux, Seigneur, parce que tu avais placé un objectif au-dedans d'eux, Seigneur. Pour que, après avoir été formés, traînés, qu'ils soient en mesure aussi d'aider les autres. Merci Seigneur, comme tu avais fait avec Adam. Il avait vu Ève d'une manière spirituelle qui était cachée en lui. Mais le temps est venu où Ève devait être manifestée. Et nous savons aujourd'hui qu'au-dedans de nous, Christ se cache. Et Christ est le mystère de Dieu révélé. Et ce grand mystère, c'est le mystère d'amour. Quand bien même Ève avait perdu, Seigneur, ô Dieu, l'étendard établi par Dieu, elle est tombée à cause de son raisonnement. Adam ne l'avait pas condamné.
Il lui a donné les accolades. Et cela, c'était l'expression de l'amour de Dieu. Et cela a fait que Jésus-Christ, qui était au-delà du rideau du temps, puisse descendre et accorder, Seigneur, le même amour à ce couple qui était déchu. Et c'est à cause de ces grands mariages que Jésus est venu. Jésus est venu mourir à la croix. Aujourd'hui, ce couple représente l'amour divin, le pardon, la perfection, la compréhension mutuelle, l'interpénétration spirituelle. Oh Dieu, je demande que tu les bénisses, que tu leur accordes la force, qu'ils ne regardent pas aux circonstances, mais qu'ils regardent à ta promesse. Que maman soit à mesure d'enseigner aux jeunes couples comment aimer leur mari. Oh Seigneur, bénis mon frère, qu'il soit un étendard, qu'il soit la tête. Seigneur, qu'il soit un exemple pour nous tous. Que nous puissions, Seigneur, en voyant ces couples, nous puissions voir la lumière du Seigneur. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je le remets à ta main. Sois leur Dieu et leur maître. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié ainsi et nous disons Amen. Alors, le pasteur Bin Mutombo, il va procéder par la remise du certificat. Lorsqu'il va le faire, je demanderai à Papa John d'être prêt pour une photo souvenir. Ok, je remets le certificat de 25 ans. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir? Qu'est-ce qu'on peut applaudir? Poussons un peu des cris de joie. Qu'il est très beau, qu'il est très beau de se marier pour honorer cette promesse que l'homme doit quitter. L'homme doit quitter et s'attacher à sa femme. Et les deux doivent devenir une seule chair. Leur 25e année d'anniversaire, est-ce que tu peux pousser des... Tu es connecté à la grâce de 25 ans. Si tu es au-delà de 25 ans, lorsque tu acclames, tu les donnes aussi l'impact d'arriver là où tu es. Ok, amen. Alors je vais demander aux hommes de Dieu de regagner leur place. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci. Merci beaucoup aux... Ouais, merci beaucoup à tout le monde. Alors, nous allons rapidement donner la parole au couple. Ok, que Dieu soit béni. Nous sommes vraiment dans la joie de partager avec vous notre 25e année de couple. Je sais que 25, ce n'est pas 25 jours, ce n'est pas 25 mois, mais c'est 25 années. Nous disons d'abord merci à Dieu pour cela. Et je dis aussi merci pour vous qui êtes là, que Dieu vraiment vous bénisse. Et je vais encore plus encourager ma femme parce que ce n'est pas possible, ce n'est pas aussi facile, disons, de supporter une personne, un grand monsieur comme moi pendant 25 ans. Je dis, ma femme, que Dieu te bénisse. Je suis vraiment content de toi. Et je sais. Ouais, ouais. Il faut que tu aies la maman. Yeah. Vraiment, que Dieu te bénisse. On a commencé, on était encore des enfants, des petits. Même au quartier, on se disait, mais ce couple, c'était un petit couple, un jeune couple. Mais on faisait un effort de donner un peu la joie, ouais, même dans les quartiers. Ouais. Et les gens ne pensaient pas qu'on pouvait aller jusqu'à 25. Mm. Mais que Dieu soit béni. Tu es ma femme, tu es la mère de mes enfants. Mm. Tu es vraiment... La seule et l'unique, il faut préciser. La seule et l'unique. Il n'y en aura pas jamais. Même si Dieu pouvait permettre au couple de se divorcer et de faire encore les nouveaux choix, rassure-toi. Tu seras mon choix. Waouh! 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 DJ! Que Dieu vraiment te bénisse. Mm. J'ai béni le Seigneur parce que les premiers jours qu'on s'est vu, on s'est parlé, c'était sous un palmier. Waouh! Alors là, je comprends vraiment pourquoi sous un palmier. Mm. Vous savez, le palmier a beaucoup de fonctions. Ouais. C'est que je retrouve dans la vie de ma femme. Mm. Pendant ces 25 ans, je trouve que j'ai une femme qui est multifonctionnelle. Wow.
Il agit, il a beaucoup de casquettes. Wow. Ça, c'est une richesse pour moi dans mon couple. Que Dieu te bénisse. Je t'aime. Je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai. Tu restes la seule. Est-ce qu'on peut pousser des cris, on peut acclamer? Le mot « je t'aime » doit être régulier. Chaque jour, sans cesse. Vraiment, je t'aime. Pasteur Rufino. S'il faut aller dans la Bible, je peux t'identifier à quelques personnages bibliques. Écrivez votre Bible aujourd'hui, pasteur. Tu vas te retrouver. Si je touche la vie d'Esther, tu es vraiment Esther. Waouh. Si je regarde Tabitha, tu as des qualités de Tabitha. Waouh. Tu es une femme de bonnes œuvres. Je pense que beaucoup de gens peuvent témoigner. Waouh. Si je parle des femmes de Tsunamites, tu peux te retrouver. Waouh. Tu as un cœur hospitalier. Si il prend soin d'un apôtre. Si je parle de Déborah, alors tu te retrouves comme Déborah. Tu es la servante de Dieu. Des bonnes œuvres de Déborah. Tu es dans le ministère. Tu es dans la famille. Tu bouges partout. Tu as beaucoup de casquettes. Que Dieu te bénisse. Je t'ai aimé, je t'aime, je t'aimerai jusqu'à sans limite. Que Dieu te bénisse. Sans limite, est-ce qu'on peut applaudir pour ces paroles? Ce que j'aime du pasteur, de l'apôtre Rufino, il parle bien que Salomon dans l'Ecclésiaste. Est-ce que maman aussi peut donner des mots d'amour à papa? Il faut bien écouter. Oui, 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 oui. Je bénis le Seigneur pour cette occasion qu'il nous a accordée. Ce n'est pas facile de marcher pendant 25 ans comme un couple. Il y a des hauts et des bas. Les couples peuvent témoigner. On s'est mariés quand on était trop jeunes. J'étais au-dessous de 25 ans. Pouvez-vous imaginer quelle maturité que j'avais à cette époque? Mais Dieu nous a fait grâce de tenir bon jusqu'à aujourd'hui. Wow. J'étais jeune fille quand j'étais mariée et je suis devenue maman. Je suis devenue maintenant grand-mère. Donc, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans notre couple. Il nous a fait grâce de vivre beaucoup de choses qu'on n'a pas le temps de citer tout cela ici. Et j'allais dire à mon mari, je bénis le Seigneur. Ce sont les bons moments, il faut bien écouter. Je bénis le Seigneur pour m'avoir donné un homme que vous êtes. Je n'ai pas beaucoup à dire. Mais je te dis seulement que je resterai à tes côtés, te soutenir, faire ces voyages ensemble. Si le Seigneur va revenir, qu'on puisse se retrouver dans l'éternité. Parce que c'est de là que nous sommes venus. Et c'est de là que nous allons rentrer. J'aimerais qu'on puisse marcher devant Dieu par sa grâce, qu'on ne soit pas comme couple d'Ananias et Saphira qui se sont perdus en cours de leur voyage, mais que le Seigneur nous soutienne comme Sarah et Abraham afin que nous puissions arriver jusqu'à la fin de notre mission. Que Dieu soit l'auteur de ce couple, qui nous donne encore la sagesse, comme vient de dire l'homme de Dieu, d'encadrer les jeunes qui viennent après nous, afin qu'ils puissent comprendre qu'est-ce que le mariage et se tenir bon dans ce chemin. Et je t'avais aimé, j'avais répondu oui à ton demande, et je continuerai toujours à t'aimer. Quelles que soient les conditions, je serai toujours là à tes côtés, à te soutenir comme une épouse, comme une mère, à tes côtés par la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu ce soir, je voulais dédier ces 25 ans de notre mariage à tous les couples, to all couples, tous les couples brisés, Those who are broken,
Les couples qui n'ont pas la paix. Those who lack of peace. Les couples qui n'ont pas la compréhension. Those who are undergoing misunderstanding. Le Seigneur qui nous a donné la capacité de vivre 25 ans. The Lord who has given us the ability to survive 25 years. Que ce Dieu-là puisse leur soutenir. Let the same God be with them, sustain afin them. Que leur couple soit restauré par la grâce so de Dieu. So that the couple will be restored by the grace of God. Parce que si les familles sont unies. If we are all together, si sont stables, if family are stable, l'église de Dieu avancera. And the church of God will move forward. Voilà pourquoi le diable combat les familles parce que il sait que les familles ce sont la force de l'église. This is why the devil is fighting family because he knows the family are strength Dieu of the church. Que Dieu restaure ce soir tous les couples brisés. May the Lord restore every broken couple. Et ma deuxième dédicace. And the second dedication. Je dédie cette fête. I will dedicate this party. À toutes les femmes seules. To single mothers. Les femmes célibataires. The single mothers. Qui ont besoin de mariage. Those who need marriage. Le Seigneur qui m'a fait marier quand j'étais en peine. The Lord who has given me this opportunity to get married so young. Et la grâce de Dieu puisse les localiser. Let the grace of God locate them. Afin qu'ils puissent trouver un bon mari. So that they can find a good husband. Par la grâce de Dieu. By the grace of God. Et ma troisième dédicace. And my third dedicate. Je dédie ces 25 ans. I would like to dedicate these 25 years. À toutes les years. Femmes qui n'arrivent pas à concevoir. And for those who are barren women. Le Seigneur qui nous a donné la fécondité. The Lord has given us fruitfulness. Et nous sommes en train de transmettre la grâce de fécondité. We are bequeathing the same grace to everybody. À toutes les femmes stériles. To every barren woman. Que la grâce de Dieu, may the grace of God, que la puissance de Dieu, the power of God, comme nous venons de chanter quand on était en train d'entrer avec Senga Mukwashi, as we just had a song with Senga Mukwashi, que la grâce de Dieu puisse bousculer tous les ventres. We pray that the grace of God sustain everyone. Qui ont besoin des enfants qui puissent les recevoir. That needs babies will receive them. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci beaucoup. Les couples vont regagner leur place. Qui a dit que les hommes de Dieu ne savent pas parler? Est-ce qu'on va encore les acclamer comme ils regagnent leur place? Nous sommes très contents. Nous allons un peu accélérer avec notre programme. Nous comprenons que nous avions commencé avec un petit retard. Mais les couples qui étaient ici devant nous, je pense que plusieurs personnes ici les reconnaissent. Mais pour ceux qui ne les connaissent pas, qui se sont retrouvés ici d'une manière ou d'une autre. C'est un couple qui est un couple exemplaire, un couple pastoral, un couple apostolique, un couple prophétique. Est-ce que vous pouvez quand même les acclamer avec des... Lui, en 2022, ils totalisent 25 ans. Ils ont trois enfants, dont je pense que l'une d'entre elles, elle va passer ici dans les instants qui viendra pour faire une parole de discours. Ou des remerciements. Na tsela yo motima na soela ko opesanga na moyo yo butse pimelanga yi obongisela nga yo mokili baby say ozongisela nga motu ya bungisa yi.
Je vis des jours heureux, ma vie entre les mains du Dieu glorieux.
Lorsque j'y pense, Seigneur, je t'élève. Merci, Jésus. Tes yeux m'ont cherché, se sont posés sur moi. Ouais, 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 ouais. Tu es le choix de Dieu, comme nous sommes tous les choix de Dieu. Alors ma plus grande prière. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Je suis le choix de Dieu. Alors, merci beaucoup, nos BK qui aujourd'hui célèbrent leur 25e anniversaire de mariage. Est-ce qu'on peut quand même applaudir cela? Est-ce qu'on peut quand même applaudir? Je sais que vous êtes en train de manger, mais donnons quand même un peu du vibe pour écouter notre sœur Eliane. Good evening, everybody. Thank you for being here. Welcome. Today is a very special evening for my family and for my parents especially, because today we are all here to celebrate their 25th wedding anniversary. I know that weddings are fun, but what comes after the wedding is the most important part, which is the marriage. The marriage is not a party, but the marriage is a daily life. And for you to be able to live with somebody for 25 years, build a ministry, build a family, it is something to be celebrated. And today I want to honor my parents because they are an example for most of us and for me especially. And I pray that I'll be able to follow their footsteps. Okay. So my parents, they got married on February 15th of 1997. Which we celebrated the real day back in February, but today is just the celebration which they wanted and we wanted to have everybody here to celebrate and most importantly to thank God for this great, because not many people have gotten to 25th years of marriage. So thank you so much for being here, and they're gonna be here soon. Enjoy your food, enjoy your evening. Please dance with us. Thank you. Est-ce qu'on peut applaudir rapidement? Enjoy your meal. Why do you look at me this way, oh daddy? Oh daddy. What is it that you wanna say, oh shitty? Oh shitty. Yeah. God put you my way, and that I know for sure. Just say the word and I say yes. Just get down on one knee. Legalize somebody. Somebody. Like Moninga Abali. Abali. Just marry. Just get down on one knee. Legalize somebody. Somebody. Like Moninga Abali. Abali. Just marry. Only you, you. Only you, you. It's you. Only thanks to you, you.
je ne vous écoute pas. Nazolo Kayote, est-ce que tous les alibis sont prêts? Are we ready? Are we ready? Est-ce qu'il n'y a pas de mamans ici qui sont venues pour les couples? Est-ce que ma maman va aller à voir? Est-ce que vous allez prêts? Bon, est-ce que ma papa Oyo Bazalaki n'a ma bonne de Liwana Bingongo et Bukana? Est-ce que vous allez à voir? Bazate, hein? Amen. Alors, nous allons tous compter jusqu'à 5 pour accueillir, recevoir les couples Rufino. Je vais compter, on va compter ensemble avec vous. Est-ce qu'on peut les faire ensemble? 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti, 0 avec les DJ lorsqu'ils vont effectuer les rentrées. Aujourd'hui, ce sont les hommes de Dieu qui vont danser. Ce sont les couples pastoraux qui seront en train de danser. Qui est déjà là? Le couple Beka qui est là avec nous. Ils sont très beaux, très beaux, très beaux. Les nouveaux mariés sont là. Les nouveaux mariés. Tous les nouveaux mariés sont là, dans la salle. Les nouveaux mariés sont là. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer? On peut acclamer? Les nouveaux mariés. Wow. Est-ce qu'il n'y a pas de maman ici qui peut obtenir des milolo? Maman wana beta kamulolo, aya kite le lolo. Wow, j'aime leur pas de danse. Il ici, c'est deux ados. La piste est ouverte. La piste est ouverte à deux ados. Pasteur Isaac, je vous invite en particulier, venez. Les révérends, la piste est ouverte. Venez. J'aime la danse de l'apôtre Paul. Venez exploiter. Venez danser. Alors, des années. Six portes va exploser ce soir avec les mamans. Mr. John. Ils ont aussi des enfants qui sont en train de parrainer. C'est un couple modèle, comme je l'ai expliqué dès le début. Ils font un très bon travail conjugal. Alors, j'aimerais appeler leurs filles qui sont en train d'être parrainées pour leur mariage qui arrive déjà ce mois dans une semaine pour encourager les jeunes qui se marient, le couple Lumo, très bien habillé. Ils vont s'approcher
seront de l'autre côté. Ouais, ils vont se tenir de l'autre côté là-bas. Alors rapidement, nous allons... Non, c'est bien. Ils vont procéder par la coupure du cake. Ils ont les... Alors, rapidement, ils seront en train de partager leur cake pour le 25e. L'apôtre Rufino va donner quelque chose à maman. Nous commençons par l'apôtre Rufino. Il va faire manger maman. Encourageons-les quand même, encourageons-les. Il est si beau de... enseigner avec un exemple. Et maman aussi fera de même. Il va aller, il va lui faire manger ses cakes en souvenir de leur 25e anniversaire. Alors, est-ce qu'on peut acclamer encore une fois de plus? Alors, c'est parti. Ils vont boire ensemble. C'est très beau, c'est très joli. On va encore les encourager avec des acclamations. Donnez la parole à Papa William. Papa William va rapidement parler du couple, les couples William. Ils vont parler du couple parce qu'ils font leur premier filleul. Ils ont parrainé ce couple il y a de cela quelques années passées. Et ils ont quand même un mot à placer à l'honneur du couple. Ils vont parler rapidement. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes très contents. Il y a au moins des sous événement Oyo. Ngadina Madame Nangai. Dans Tozwagi Sango Oyo, on s'est déplacé très vite. From Raleigh to Iti Awa pour nous encourager. Vraiment, on s'est rencontrés dans des moments très difficiles. Et dès le premier jour que Tokutanaki, connexion Isaaki Wana. Et pour moi, ce sont des parents. Biologiquement, dans un papa, dans un maman, et je le vois comme mes parents, papa, maman, vraiment, ils sont toujours prêts et disponibles. Dans les circonstances, ils sont un grand soutien pour Nabisso et ils ont tout fait pour nous. Et je recolle que une grande partie de ce que nous sommes maintenant, nous les devons à eux. Donc, ce sont des gens exceptionnels, des gens merveilleux. Des très bons parents, des très bons parrains. Et je crois qu'il y a beaucoup à dire à leur sujet. Vraiment, je les apprécie et je suis reconnaissant et très fier d'être leur filleul et de les avoir comme parents, comme parrains. Donc vraiment, ils sont dignes de ce nom et nous les apprécions vraiment énormément. C'est vraiment tout à content. Na 25e année Oyo. C'est Isa Voyagia Moulaï. Et toutes ces années, tous ces temps, depuis Soutien Akibiso, Simba Biso, depuis 2006, et Tilelo, Lacha Biso, jamais, dans les circonstances, Moroté, vraiment, nous avons Azoro Koumou, et nous avons accompagné pour bénir votre mariage et votre famille. Merci. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole à Maman Nono. Il va placer une parole rapidement à l'honneur. Ok, merci beaucoup pour la parole. Je suis vraiment très, très ravie, très contente d'être ici. Papa Ruffin et Maman Claudine, je vous dis merci. Vous êtes tellement, je ne sais pas comment je peux dire, j'ai de beaux parents. Ils m'ont pris quand, dès le bas âge même, je dirais moins de 12 ans. Je suis mariée entre ses mains. Pendant leur mariage en 1997, j'étais la fille d'honneur et vraiment ils m'ont donné une bonne fondation à cause de papa, pasteur Ruffin.
Si je suis ce que je suis là, vraiment à cause de la crainte de Dieu, ils m'ont appris la crainte de Dieu, vraiment la crainte de Dieu. Jusqu'à présent, et même ils sont contents de moi. J'ai dit merci papa, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et joyeux anniversaire de 25e année. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup. Maman Nonon, c'est bien, nous vous demanderons tous de récupérer vos places. Elle a 2 minutes. Vous voulez quick? I'd like to speak a little bit about this couple that happens to be my biological parents and my spiritual parents as well. They are my first mentors, they are my first teachers, and they are the ones who taught me the way of the Lord, and not only me, my brothers as well. As parents, they are perfect for me, although we are human beings and we are not perfect, but they have done and they continue to do everything in their power to make sure that me and my siblings are okay. I was sharing with a couple friends a couple days ago of the support I get from my parents. It is not easy nowadays to find parents who are very supportive of their child, but in my experience, I feel very much blessed to have both of you guys, because in some moments of my life, I had my parents. Their support, their words of wisdom, those are things that keep me up. Whenever I'm feeling down, I do my best to run to them. And I promise you guys, I live with my head lifted up. Does not matter the situation. So I am very, very blessed to have them. And I am happy for those who are their spiritual kids, because they also get to benefit from what they have to offer. So if you are here, you are under their feet, you consider yourself as the child of Apostle Riffin and Mama Evangelista Esther Claudia, I'll tell you this, honor and respect them, because the grace of God that they carry, it is something that you can benefit from. So thank you so much. Thank you so much. God bless you. You may have your seat. Thank you so much. Alors, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la... Nous tendons vers Maman Patricia. Elle va s'approcher rapidement pour placer un mot, une parole d'honneur à l'égard du couple. Un mot de bénédiction, d'encouragement, d'honneur, de joie à l'honneur de ce couple. Vraiment, merci pour la parole. Comme vous dites que nous attendons vers la fin, je ne vais pas prendre longtemps. Vivre le 25 ans, les dire 25 ans, c'est facile. Tout le monde peut dire 25 ans, c'est facile. Mais vivre 25 ans ensemble, ça, c'est une autre chose. Quand je parlais avec ma mère Esther, elle m'avait dit, elle avait nommé le sujet de cette journée une restauration. J'aimerais dire à vous d'abord que ce 25 ans marque le début d'un nouveau commencement. Amen. Que vous commencez une nouvelle vie pleine d'amour. Que ça soit comme si c'est la première fois que vous vous êtes rencontrés et vous vous êtes mariés. Que ce 25 ans marque encore un élargissement, épanouissement dans votre vie de couple, sur tous les plans dans votre ministère. Nous bénissons Dieu pour votre ministère, ce que vous êtes en train de faire. Que cette grâce qui est à vous tombe aussi sur toute personne qui est ici en ces lieux. C'est lui qui se pose des questions. Comment est-ce qu'ils ont arrivé là? Je vous dis, si vous avez des questions, maman Esther est là, papa est là. Ils vont vous dire que ce n'était pas facile, mais avec Dieu, ils sont arrivés. Donc, si toi aussi tu es là, bénéficie de cette grâce-là. Nous allons, je voulais dire à chacun de lever le verre, mais comme il est déjà tard, j'aimerais que là où tu es, tu places un mot de bénédiction dans ton cœur pour ces couples. Dis seulement quelque chose dans ton cœur comme un souhait pour ces couples, en fait, qu'ils s'épanouissent encore davantage. J'aimerais que 50 ans après, qu'on se retrouve encore pour célébrer le 50e anniversaire. Happy anniversary to you. I love you guys. J'aimerais, à la demande du couple encore, à inviter l'évangéliste Dikizeko, Lukombo Christian. Il n'a que 2 minutes, l'évangéliste Christian. Merci beaucoup. Je ne vais pas dire de mots sur eux, mais j'aimerais témoigner ma gratitude, particulièrement pour papa Beka. C'est un couple que j'ai connu. J'ai connu premièrement maman Claudia. On s'est connu, ça fait 8 ans passés. Mais j'aimerais parler des circonstances dans lesquelles nous sommes connus. Il faudrait qu'on vienne ici.
Mais c'est une femme qui a appris à faire confiance aux gens inconnus. Ça m'avait vraiment beaucoup boosté. Par l'entremise de leur filiale, le couple pasteur Billy qui est de l'autre côté, on devait venir ici en Amérique sans qu'ils me connaissent. Ils m'ont donné l'argent de 10 personnes pour acheter les billets pour tout le monde. Je ne la connaissais pas particulièrement, mais on lui a parlé de moi. Elle m'a dit, il faut donner au pasteur Christian, et le pasteur Billy m'a donné 10 000. Mais quand on est arrivé, j'avais les billets avec moi. Je me suis vu avec maman Claudia. J'ai aimé ce qu'elle m'a dit pour la première fois. Elle m'a dit, pasteur Christian, je crois qu'on va commencer une nouvelle aventure avec vous. Ce que je ne savais pas, c'est qu'on devait venir ici. On est venu ici pour la première fois, puis on a retrouvé. Alors la deuxième chose, je me redis, c'est pour Papa Beka. C'est en rapport avec la sincérité du cœur que je vis en votre égard. Cet homme de Dieu, il a une église aussi nombreuse en Angola, pour ceux qui connaissent l'Angola. Je me suis retrouvé dans leur maison pour une deuxième circonstance. Cette fois-là, ce n'était pas très bien. J'étais en face de ma sœur. Et pendant qu'on parlait, c'était une situation un peu bizarre. Et je vis, elle m'a dit, j'aimerais, si tu ne me fais pas confiance, j'aimerais que mon mari vienne. Et son mari est venu, il m'a dit, pasteur, c'est quoi le problème? Et quand j'ai expliqué au pasteur, il m'a dit juste une phrase. Il m'a dit, pasteur, est-ce que tu permets qu'on se voit tel jour et on va régulariser la chose? Je suis venu, je suis allé dans son bureau, ensemble avec la dame, ma maman, ils sont entrés et ils ont résolu le problème qu'on avait. Et ce que je n'avais pas compris, c'était le début de l'amitié. Et aujourd'hui, Dieu a fait avec nous ensemble. On est des grands amis et je bénis Dieu pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, Papa Rufino et Maman Esther. Africa, clopez à mon passage. Pardon, Moussa. Fui
ya mukamba atela nova fuya samba samusiku atela uzangu mibise katete kapoku kikolo mabore kazenga miya basia na kabesa fazendo negocio kume patran we voa wambu voa bengu awije mushipu lunda norte lunda sulu bandu kubangu banza kongo voa wila namibe eu voro jere toda angola pa minha bacia na cabeça fazendo negócio do meu patrão é que eu amo muito Jesus Zongere, Zongere, Oroyo Mamba quando eu acabar em Angola vou a Namíbia Zimbabwe, Botswana, Cabo Verde, Marroco, Senegalês, Congo, Foa Líbia, Nigéria, África do Sul, Foa Zâmbia, Guiné-Bissau, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Moçambique, Bamia Bacia, na cabeça, fazendo negócio, mamãe, do meu patrão, ué. O meu patrão é, eu amo muito. O meu patrão, mamá, é, eu amo muito, mamá. Zongere, 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 orgulho, mamá. Quando eu acabar em África, vou à Europa, América, vou à Ásia, Oceania, em todo lado. Até as confins da terra eu vou chegar. Com a minha bacia na cabeça, fazendo negócio do meu patrão, é. O meu patrão, mamba, é. Eu amo muito Jesus. Zongere, 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 orgulho, mamba. Na minha bacia, enlevo o peixe. Na minha bacia, mamba, é. Enlevo o carne. Na minha bacia da zunga, enlevo o frango. A minha bacia anda cheia da palavra. A minha bacia anda cheia do evangelho. E a minha bacia anda cheia da salvação. A minha bacia anda cheia da bênção. A minha bacia anda cheia da cura. O meu negócio é não alheio, é de graça. Venha todo mundo receber, é de graça. Venha receber a tua cura, é de graça. Venha receber a salvação, é de graça. Venha receber a tua bênção, é de graça, mamá. Vamos levar o evangelho de Cristo, começando em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Todo que é cristão, todo que é cristão, na tua vida, na tua casa, na tua rua, no teu bairro, na tua cidade, no teu país, até os confins da terra. Johnny Magité, au échoué. Voilà, là, là.
Alors, à tous les amis, John Image is the King, j'ai confirmé, j'ai vécu ça, c'est impeccable, c'est incroyable, mais je ne savais pas, ben, c'est un privilège de connaître John Image et d'avoir les images avec John Image. Ouh, je suis très honorée, bravo John Image. Non, John Image, number one, yebani, oya boya, salimo kilinae. Papa, on a ma pambolo na image. Papa, on va la moussala na yo, po. Ozo salango vraiment. John Image. 001, number one. Que Dieu bénisse John Image. Merci beaucoup pour la support na yo, na misala na biso artiste ko la pambola yo, a pambola yo, a pambola yo. Shalom frères et sœurs, je suis Mike Alambay. Parlons autour de John Image. Sincèrement, il est le meilleur. He's the best. John Image, c'est vraiment le meilleur que j'ai rencontré dans ce domaine. Il y a Bilili. Bilili est à ma Cambounais. John Image, Billy. John Image, le meilleur. Nous bénissons Dieu. John Image, c'est un instrument de Dieu pour cette ville. Mais moi, je prie pour que Dieu se souvienne de lui et qu'il le bénisse. Voilà. John Image, petit lobby de l'eau, mon ami. John Image, lobby de l'eau, lobby bataillon. John Image, au côté de l'eau, lobby babimissi. John Image, soin. Et l'eau, quand ça. John Image, c'est là qui top, propre, soin. Nego se lega lobi de lobi talang mo kiri mobile. John Image, c'est continental. John Image, c'est l'eau quand ça. États-Unis, John Image, John Image, John Image is the king. Et pas des ablagités. Zala va monter sur la salle, monsala va kangin et l'eau. Mais John Image, le lobi monde mon mavamoniango. Donc le fait d'avoir John Image avec nous. Montrer déjà que ce sera la réussite de la manifestation. Avenir Nabango Bamisusu, futur Nabango, et ça déjà présent, il y a John Image. John Image, Oumela, 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 Oumela. Lendi tango a bota minga, j'ai dit n'allez la théo. Lokola tango et a bota mine, fallait la thé. Motona motona tango na yetolia patience lokola tongwa tabu